Samedi 29 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver tous les matins. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans la soirée de vendredi. Le chef de l'État effectuait un séjour privé d'une semaine en France. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le vice-président de la République. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que de hauts responsables de l'armée étaient également présents à l'accueil. En République démocratique du Congo, au moins 80 000 spectateurs ont assisté à la cérémonie d'ouverture officielle des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa, au stade des Martyrs, défilé vendredi soir. Quelques 3 000 jeunes sportifs et artistes d'une trentaine de pays, des pays engagés dans des compétitions et concours prévus pendant 10 jours dans la capitale congolaise, Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde, avec environ 15 millions d'habitants. Représentant le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, le premier ministre Patrick Kachi a assisté à la parade des délégations, au discours, un grand spectacle de son et de lumière. La Côte d'Ivoire améliore ses capacités de stockage en gaz butane. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a lancé vendredi le démarrage des activités d'une nouvelle entité de stockage de 4000 tonnes, soit environ 8000 mètres cubes, pour de quoi faire face à la demande de gaz toujours en hausse. Un lancement suivi par l'ancienne Bakayoko. Après la coupure symbolique du ruban, Mamadou Sangafoua Koulibaly actionne un petit bouton, puis déluge d'eau sur la coque cylindrique de la sphère de stockage de gaz butane. Ce spectacle marque la mise en service de cet important ouvrage pouvant conserver 4000 tonnes d'hydrocarbures. Nous avons osé un vaste programme d'investissement pour répondre à la double exigence et satisfaire d'une part la demande toujours croissante en produits pétroliers et d'autre part poursuivre la modernisation des dépôts pour les mettre aux normes des standards internationaux. Par cet investissement, la société de gestion des stocks pétroliers augmente ses capacités de 10 000 tonnes, soulageant ainsi les circuits d'approvisionnement qui fonctionnent régulièrement à flux tendu. Il nous faut encore multiplier par 3, par 4 les capacités actuelles de stockage. Si nous comptons sur GEST aussi pour porter cette politique, nous accueillons les bras ouverts aussi les initiatives privées. Si Mamadou Sangafoua Koulibaly peut se féliciter de l'impact social de la politique de butanisation sur les ménages et la préservation de la forêt, il regrette la montée de la contrebande et surtout de la fraude, notamment au niveau des subventions accordées aux populations à faible revenu. D'autres consommateurs qui ne sont pas éligibles à cette subvention en profitent largement et ont trop profité de cette subvention. Il faut qu'on mette un terme à cela. Avec les projets en cours, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie rassure les pays voisins clients de la Côte d'Ivoire de la disponibilité des produits pétroliers, notamment le gaz butane, et avertit que la traque contre le transvasement de gaz va s'accentuer. Autre chose, à présent, les lauréates du concours 2023 de Miss Mathématiques ont été primées hier vendredi. Elles ont reçu des bourses d'études de plus de 30 millions de francs CFA, des ordinateurs portables et bien d'autres lots. Des jeunes filles qui ont été exhortées à maintenir le cap de l'excellence et à promouvoir les sciences auprès de leurs cadettes. Un reportage de Mohamed Khalil Diomondé, commenté par Mahama Traoré. Ce sont des Miss, pas comme les autres. Victoria Kra et Marie-Emmanuela Amani sont les Miss Mathématiques 2023, respectivement dans les catégories terminale C et 3e. Ces expansionnaires de l'école militaire préparatoire de Bengerville et du lycée Sainte-Marie de Cocody auront surclassé plus de 450 prétendantes pour se positionner en haut du podium de cette compétition scientifique. Victoria Kra repart avec une bourse de 30 millions de francs CFA pour ses études supérieures, deux ordinateurs portables et des chèques d'un montant cumulé de 4 millions de francs CFA. Pour moi, c'est un honneur et je remercie mes parents, les personnes qui m'ont soutenu, mes amis, l'encadrement de l'école militaire préparatoire technique de Bengerville
ainsi que le Seigneur, parce que c'est grâce à lui. Les mathématiques, ça représente un univers, un très grand univers, qui facilement te propulse très haut. Et je sais que dans quelques années, on aura plus de femmes d'ailleurs que d'hommes dans l'univers scientifique. Marie-Andrea Gbanzaï, en classe de terminale C au lycée Sainte-Marie de Cocody, décroche, elle, le premier prix du concours mixte au Fouette Boigny de mathématiques. Elle empoche une cagnotte d'1 million de francs CFA. En initiant ces deux compétitions, la Société mathématique de Côte d'Ivoire ambitionne de relever le faible taux de représentativité des femmes dans les domaines scientifiques et technologiques. Tant que nous n'aurons pas autant de filles en mathématiques que les garçons, tant que nous n'aurons pas plus de filles dans les filières scientifiques que les garçons, il est évident que nous devons continuer notre volonté de promouvoir les filles dans les sciences. Tout ce qui révolutionne le monde, tout ce qui fait avancer le monde en termes de bons qualitatifs, en termes de développement, les sciences, les mathématiques, ils sont pour beaucoup. Et il s'agit pour nous justement de recréer un écosystème où nos enfants s'intéressent aux mathématiques, la mère des sciences. Et la Société mathématique de Côte d'Ivoire, qui promeut depuis des années cela, a été pour nous un bon partenaire, tant et si bien que nous avons signé un engagement sur 5 ans. Le concours Miss Mathématiques a été lancé en 2000 à la faveur de l'année mondiale des mathématiques. Chaque année, il met en compétition plus de 500 candidates à travers la Côte d'Ivoire. Depuis 2 ans, le concours bénéficie du sponsoring du port autonome d'Abidjan avec une contribution financière annuelle de 25 millions de francs CFA. La quête quotidienne du bonheur et du bien-être. Et si on en parlait? C'est le titre d'un ouvrage publié par Evir Monoko, un fonctionnaire et ancien footballeur. L'ouvrage de 132 pages est un recueil d'enseignements, de mode moral et spirituel qui ouvre la porte sur des faits de société. Il appelle surtout au respect des Écritures saintes. Les détails avec Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. Aimé Monoko, fonctionnaire d'État, ancien footballeur, acteur culturel, mais aussi de la société civile, fait désormais partie de la grande famille des écrivains. Cela avec la sortie de son tout premier livre. Et si on en parlait, la quête quotidienne du bonheur et du bien-être. Un essai de 132 pages composé de conseils, de témoignages et d'exhortations pour une transformation positive des vies. Si on en parlait, invite tout le monde à la modestie, à la tolérance et à l'obéissance des droits divines. Également, je voudrais dire à ceux qui, malheureusement, n'ont pas encore atteint leur projet, leur but, si on en parlait, leur demande de redoubler d'efforts. Donc il y a un impact, le courage d'abnégation que ce livre transmet. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce sont des recueils de réflexion, si je peux le dire ainsi, et qui parle de faits de société, mais des faits de société qui nous invitent à avoir la crainte de Dieu, qui nous invitent à prôner les bienfaits du Tout-Puissant, de sorte à impacter positivement notre entourage. L'auteur Aimé Monoko est passionné de culture, notamment de musique, et ses pairs, tout aussi passionnés, le lui rendent bien. Et si on en parlait, cette œuvre à forte consonance religieuse se veut un recueil d'enseignements spirituels, une satire sociale, mais aussi une chronique des us et de leur bon usage. Un commentaire de Franck Kouadio. Dans l'actualité hors de chez nous, au Niger, le rapport de force tourne en faveur des putschistes. Le président Mohamed Bazoum refuse de démissionner. Il est toujours séquestré par les militaires qui ont obtenu le soutien du chef d'état-major. Chef de la garde présidentielle, général Abdourahman Tchiani, a lu vendredi un communiqué à la télévision nationale nigérienne. Il s'est présenté en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La junte qui a renversé le président élu, Mohamed Bazoum, a justifié le coup d'État par la montée de la violence du groupe terroriste.
Et puis le président français Emmanuel Macron va présider ce samedi à 15h un conseil de défense et de sécurité nationale consacré justement au Niger. L'annonce a été faite par l'Élysée tôt ce matin. La France compte 1500 militaires dans ce pays, considéré comme un partenaire privilégié de Paris dans le Sahel. Emmanuel Macron, qui devait rentrer d'Océanie dans la nuit de vendredi à samedi, a déjà condamné avec la plus grande fermeté le coup d'État qui a renversé mercredi Mohamed Bazoum. Et puis au Sénégal, pour terminer, l'opposant Ousmane Sonko a été interpellé par la gendarmerie devant son domicile. Le dirigeant du PASTEF a déjà condamné à 2 ans de prison il y a 2 mois par contumace pour corruption de la jeunesse. Cette fois-ci, été mis en garde pour vol de téléphone portable et appel à l'insurrection, a précisé le parquet de Dakar. L'homme politique sénégalais est gardé à vue dans les locaux de la brigade des affaires général de la division des investigations criminelles. Les avocats d'Ousmane Sonko dénoncent une accusation ridicule. Son parti politique, le PASTEF, et d'autres formations politiques de l'opposition demandent sa libération immédiate. Merci de nous avoir suivis. Fin de ce point d'information sur RTI. Restez surtout en notre compagnie parce que justement l'info revient à 10h et à 13h.